Le temps est quelque chose d'essentiel dans la musique. Et d'ailleurs, un appareil a été inventé pour donner le tempo, calculer la durée de la musique. Cet appareil s'appelle le métronome. Dès son invention, au début du 19e siècle, par Maelzel, le métronome a été parodié par Beethoven. Dans sa 8e symphonie, Beethoven moque le tic-tac du métronome. Une œuvre, la 8e symphonie de Beethoven, que nous allons entendre avec l'orchestre Les Siècles, dirigé par François-Xavier Roth, également au programme, toujours dans la même veine, le poème pour 100 métronomes de Gheorghi Ligeti. Imaginez que dans la salle de la MC2, 100 métronomes vont être disposés pour interpréter cette œuvre hallucinante de la musique moderne. Et en deuxième partie, un petit bijou, l'heure espagnole de Maurice Ravel, une comédie, c'est ainsi qu'indique Maurice Ravel sur la partition, une comédie qui met en scène une femme et ses amants autour d'une horloge. Je ne vous en dis pas plus, une comédie savoureuse à déguster sans modération à la MC2 avec des chanteurs et chanteuses de premier plan, l'orchestre Les Siècles et François-Xavier Roth.